rien ne va plus. Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs suivent les aventures de la famille du reste du monde. Alors que les candidats ont posé leurs valises à Marrakech, ce n'est pas pour profiter du soleil mais tout simplement pour s'entraîner afin d'aller affronter les Marseillais. Les épreuves enchaînent, les éliminations aussi. Le 2 août dernier, C'est Ilan Castronovo qui a dû quitter la maison et a donc été remplacé par Isabeau. La candidate a fait son grand retour. Une arrivée surprise qui a rapidement laissé place à de vives tensions entre Simon et Guy Sepa puisque le jeune homme a eu une courte histoire avec Isabeau au début de l'aventure. Dans l'épisode inédit diffusé ce jeudi 5 août, les deux candidats ont été sélectionnés pour participer à un shooting photo. Même si aucun rapprochement physique n'a eu lieu, Simon a avoué qu'il avait failli perdre le contrôle face à Isabeau. Si est-il la tentation avec elle, confie-t-il à Julien. Tous deux se sont montrés très proches et Nathan et Marine, présents également, n'ont pas hésité à en faire part aux autres habitants à l'occasion d'une soirée organisée pour que toutes les vérités soient dites. Le panier des problèmes. Une fois rentré du photoshoot, une soirée durant laquelle des mots ont été glissés dans une boîte a été organisée. Sur les papiers, ils ont inscrit des secrets et révélations qui ont rapidement fait trembler la maison. Au programme, les rapprochements de la journée. Si la dispute entre Marine et Bastos a été assez rapide, celle de Simon et Guy Sepa a été très remarquée. En effet, le jeune homme a posé aux côtés d'Isabeau, ce qui n'a pas manqué d'énerver sa copine. Simon a dit à Isabeau qu'elle était belle, lance Nicolas Lozina. Une première révélation confirmée par les deux protagonistes et qui est entendue par Giuseppa. Si la jeune femme parvient à garder son calme, elle est toutefois obligée de réagir lorsqu'il en a lu le second papier, « J'ai vu que Simon a fait un porté-plus-plus à Isabeau. » Une affirmation à laquelle Guy Sepa réagit immédiatement. Mais en fait, si est-ce une grosse blague, ils n'ont pas de figure, dit-elle dans le confessionnal. Alors que le jeu continue, un nouveau papier concernant Simon est lu par Nicolas Lozina, Simon avait même sa tête dans sa poitrine. Si les deux ex nient les faits, cette révélation fait perdre le contrôle à Guy Sepa qui déclare à son copain qu'il est célibataire. « Tu es une grosse merde et tu ne me parles pas », conclut-elle. Les prochains épisodes promettent d'être très mouvementés. Simon et Guy Sepa, sont-ils toujours ensemble? Simon et Guy Sepa se sont rapprochés lors du tournage du reste du monde. Si est-il donc face caméra que les deux candidats ont appris à se séduire mais aussi à se connaître? Alors que de vives tensions ne cessent d'éclater entre eux, il semblerait qu'elle ait eu raison de leur couple. En effet, Simon a récemment officialisé sa relation avec une autre candidate du programme, Adixia. Quant à Guy Sepa, si est-il avec Paga qu'elle partage sa vie.